Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 17 mai, la Sainte Église célèbre Saint Pascal Baillon de l'Ordre de Saint François. Écoutons la vie de Saint Pascal, une vie prédisposée par son Seigneur. Saint Pascal Baillon naquit en Espagne le 17 mai 1540 d'humbles cultivateurs riches de vertus chrétiennes. Occupé dès l'âge de 7 ans à la garde des troupeaux, il passait son temps en prière et en lecture. On dit que les anges eux-mêmes lui donnèrent des leçons. Le petit Pascal se plaisait surtout à réciter le pater. Quoique pauvre, il trouvait le moyen de faire l'aumône en donnant une partie de sa nourriture à ceux qui en avaient besoin. Il était le modèle aimé et respecté de tous les bergers de la contrée. Dans un âge si tendre, il connaissait l'usage assidu des cilices, des jeûnes, des disciplines sanglantes. On le voyait marcher pieds nus à travers les ronces et les épines en expiation de ses péchés. Le maître chez qui ses parents l'avaient placé voulait le faire héritier de tous ses biens, mais Pascal ne convoitait que l'héritage de l'amour des dieux et la pauvreté religieuse. À 20 ans, il entra chez les franciscains, malgré les sollicitations de ses camarades, auxquels il a prouvé la réalité de l'appel divin en frappant 3 fois la terre avec sa houlette et en faisant jaillir 3 fontaines dans un lieu sec et aride. Les vertus de l'enfant, déjà si extraordinaires, devinrent dans les religieux des vertus véritablement merveilleuses. Son obéissance était aussi parfaite que possible. Traité rigoureusement par son supérieur, il disait à ceux qui le plaignaient : taisez-vous, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de notre supérieur. Quand on lui proposait de faire quelque chose, il disait souvent : je ferai comme l'obéissance dira. Sa mortification était effrayante et ne le cédait en rien à celle des anciens solitaires. Sa charité pour les pauvres, quand il était portier, dépassait les limites. Du moins, ses supérieurs le blâmaient à ce sujet, mais il répondait naïvement : s'il se présente 12 pauvres et que je donne à 10, il est bien à craindre que l'un de ceux que je renvoie ne soit précisément Jésus-Christ. Pascal est célèbre par sa dévotion à la Sainte Eucharistie. Il passait des heures entières, souvent ravi en Dieu, devant le tabernacle, et parfois on le voyait suspendu en l'air par l'effet du divin amour. Quand il ne pouvait être de corps devant le très saint sacrement, il y était ordinairement en esprit. Pendant la messe de ses funérailles, on vit ses yeux s'ouvrir 2 fois à l'élévation de l'hostie et du calice. En 1897,
Léon XIII l'a déclaré patron des œuvres eucharistiques. À tous ceux qui portent le prénom de Pascal, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.